Bien-aimés, chers frères et sœurs, bonsoir. Voilà, nous ne sommes pas nombreux pour l'instant, mais dans un petit moment, les bien-aimés seront, ils sont sûrement en chemin, ils arrivent. Voilà, et nous voulons saluer aussi ceux qui nous regardent. Je pense que vous êtes nombreux et nous espérons que vous allez passer un moment agréable à louer le Seigneur et aussi surtout à méditer la parole du Seigneur. Voilà, sans plus tarder, nous voulons commencer par la prière. Je vais vous inviter, bien-aimés, à vous tenir debout, vous qui êtes présents et vous qui nous regardez, inclinez la tête pour que nous puissions prier l'Éternel. Prions. Éternel notre Dieu, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit élevé, que ton règne vienne, Seigneur, et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Nous bénissons ton nom et nous voulons te glorifier. Nous bénissons ton nom pour cette joie et cette paix que tu donnes et que le monde ne peut pas nous enlever. Nous bénissons ton nom pour ce privilège que tu nous donnes d'être dans ta maison pour pouvoir célébrer ton nom et, Seigneur, vraiment partager cette bonne parole du salut par grâce en Jésus-Christ. Dieu de grâce, bénis tout ce qui sera fait et dit à cette place, et que ton nom seul soit béni, ton nom seul soit glorifié. Répands sur ton serviteur ta bénédiction, afin qu'il puisse parler en ton nom, par ton Saint-Esprit, et qu'ensemble nous puissions être édifiés. Dieu de paix, Dieu de grâce, que ton nom seul soit béni et exalté. Continue à déverser sur nous ta paix, bénis tous ceux qui sont présents, et Seigneur, nous voulons aussi te demander grâce et bénédiction sur ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement et qui regardent. Dieu de grâce, reçois leur louange et permet qu'ils puissent être concentrés pour entendre, Seigneur, ta parole en ce soir. Que ton nom seul soit béni, que ton nom seul soit exalté, à toi l'honneur, la louange et la gloire. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié et pour ta gloire. Amen. Adorons le Seigneur, adorons son éclat et sa beauté, tout en lui est lumière et bonté. Il m'a sauvé, et dans son sang, il m'a lavé. Et nous voulons dire merci à ce Sauveur merveilleux qui nous a lavé de toute iniquité, lavé de tout péché. Il m'a sauvé. Le Fils de Dieu vit ma misère.
sauvé, il m'a 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 sauvé, et dans son sang il m'a lavé. Il m'a sauvé, et dans son sang il m'a lavé. Oui, le monde a vu ce mystère, le juste par le condamné et le coupable pardonné sur la croix du calvaire. Il m'a sauvé, il m'a sauvé. Il m'a sauvé, il m'a sauvé, et dans son sang il m'a lavé. À toi Jésus ma vie entière, à toi tout l'amour de mon cœur. En mourant tu fus mon vainqueur sur la croix du calvaire. Il m'a sauvé, il m'a sauvé, et dans son sang, il m'a lavé. Amen. Et nous pouvons dire un grand merci, un grand amen, alléluia, pour ce sauveur merveilleux. Le Fils de Dieu, c'est ce sauveur merveilleux. Le Fils de Dieu vint sur la terre mourir pour moi, car il m'aimait et il m'a sauvé. Jésus m'a tant aimé, il fut pour moi crucifié, il fut pour moi ressuscité, il fut pour moi glorifié. Jésus m'a tant aimé. Le Fils de Dieu vint sur la terre mourir pour moi, car il m'aimait. Jésus m'a tant aimé.
Jésus-Christ est toujours le même, il sauve encore parfaitement. Que tu sois ce sauveur t'aime, viens cœur brisé, viens confiant. Sauveur, quelle passion au-dessus des puissances, au-dessus des rois. Oh Seigneur, bien avant toutes ces choses, Seigneur, tu existais et tu as laissé ton trône de gloire et tu es venu vivre notre misère ici-bas. Crucifié, seul, abandonné, tu as payé car tu m'as aimé. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes. Au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Ce témoignage, cet amour manifesté. Nous sommes contents. Rien ne peut sauver mon âme,
rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Pour elle, je ne réclame rien que le sang de Jésus. Précieux le sang de l'agneau qui me donne un cœur nouveau. Rien d'autre, je ne veux plus. C'est le sang qui lave, le sang qui purifie, le sang qui protège. Le Rédempteur est mort à la croix pour nous. Il faut tout simplement l'accepter. Il est venu nous sauver de l'enfer. Il nous faut simplement croire pour être sauvés. Lorsque Dieu voit un pécheur couvert de son péché, il appelle tout simplement de venir à Jésus. Amen. Pour être sauvé, lorsque Dieu voit un pécheur, lorsque Dieu voit un pécheur recouvert de son péché, il appelle à se donner à Jésus. Oh ami, tu peux être méchant et ton cœur aussi dur que le roc. Si tu acceptes Christ comme sauveur, les anges se réjouiront dans le ciel. Lorsque Dieu voit un pécheur, lorsque Dieu voit un pécheur recouvert de son péché, il appelle à se donner à Jésus. Nous a donné son Fils unique, ne laissons pas passer l'occasion. Pendant qu'il en est temps, oh, venez, fuyez, fuyez la colère qui vient. Lorsque Dieu voit un pécheur, lorsque Dieu voit un pécheur recouvert
transformé. Son sang versé te purifiera. Oh, le temps de pain, le temps s'enfuit. Si tu hésites, tu regretteras. Lorsque Dieu voit pécheur, lorsque Dieu voit pécheur, recouvert de son péché, il appelle à se donner à Jésus. Lorsque Dieu voit pécheur, lorsque Dieu voit pécheur, recouvert de son péché, il appelle à se donner à Jésus. Amen. Voilà, notre moment de louange touche à sa fin. Nous allons maintenant laisser la place au frère Paul Edouard qui viendra jusqu'ici prier avec nous et nous dispenser la parole du Seigneur. Bonsoir, chers frères et sœurs. Je salue aussi tous ceux qui nous regardent à travers les réseaux sociaux, sur Internet. J'espère que le Seigneur vous a fait grâce et que vous avez pu passer une bonne journée. En tout cas, que le nom du Seigneur soit béni. C'est lui qui fait vivre, c'est lui qui fait mourir, c'est lui qui change les temps ainsi que les circonstances. Nous glorifions son nom. S'il nous a permis d'être ici ce soir. Voilà, donc avant d'aller plus loin, nous allons prier le Seigneur pour lui demander sa grâce et son assistance. Seigneur notre Dieu, nous voici devant ta face ce soir. Avec confiance, parce que nous savons que tu nous écoutes par le biais du sacrifice de notre Seigneur Jésus. C'est là que nous puisions notre force, notre espérance, notre assurance. Jésus est mort et il a fait de nous des enfants de Dieu, gens de la maison de Dieu, et parce qu'il est mort et qu'il est ressuscité, et parce que toi, Père, tu as agréé son sacrifice, nous savons qu'aujourd'hui, nous pouvons aussi t'appeler Père. Et c'est pourquoi nous disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Merci d'avoir été avec nous durant cette journée. Merci pour ta grâce qui nous a accompagnés. Et nous te remercions de même parce que tu nous as permis de pouvoir être ici, nous mobiliser pour pouvoir ensemble ce soir étudier ta parole. C'est pourquoi nous allons faire appel à ton Esprit Saint que nous savons nous accompagne chaque jour puisque tu nous l'as laissé, ce consolateur qui demeure avec nous. Merci. Maintenant, Père, reste avec chacun. Dispose nos cœurs et donne-nous aussi du sens, de la sagesse, pour que nous puissions vraiment, Père, percer, pénétrer ta parole et que nous puissions vraiment être des hommes et des femmes obéissants devant ta face. Pour cela, nous avons besoin que tu nous aides. Voilà. Reste avec nous durant ce moment. Nous t'avons prié. C'est dans le nom de Jésus et pour ta seule gloire. Amen. Merci. Asseyons-nous, chers amis, chers frères et sœurs. Alors, ce soir, nous voulons continuer cette étude que nous avons commencée dans le livre de Jude. Je suppose que vous vous rappelez. Nous n'avons pas terminé ce livre de Jude, bien que ce soit une petite lettre. Mais il y a tellement d'enseignements dans cette petite lettre de Jude. Qui est concentré
là-dedans. Et donc la dernière fois, nous nous sommes arrêtés à la dernière partie du verset 11 de ce livre de Jude qui parlait de ces apostats qui se sont perdus par la révolte de Coré. Et nous avons défini ce que cela voulait dire, ce que Jude voulait dire par là, par cette expression, en examinant cette histoire qui se trouve dans le livre de Nombres, chapitre 16. Et donc, aujourd'hui, nous voulons essayer de traiter ces versets 12 jusqu'au verset 19, si le temps nous le permet. Donc, alors, lisons cette portion de la parole à partir du verset 12 de ce livre de Jude. Alors, Jude dit ceci. Il dit, ce sont, donc il parle de ces apostats, ces faux frères. Il dit, ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne s'enfuient, deux fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Et c'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes, « Voici, le Seigneur est venu avec des saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient que dans les derniers temps, il y aurait des moqueurs, marchant selon leurs convoitises impies. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Jusque-là, notre lecture pour l'instant. Alors, dans cette portion de la parole de cette lettre de Jude, Jude va nous dévoiler une autre facette cachée des apostats, c'est-à-dire ces faux frères qui se glissent dans l'Église, comme cela, au milieu des enfants de Dieu, et qui se font passer pour frères, mais en fait, compte, ce sont des gens qui n'ont pas l'esprit, qui sont là, mais qui... ce sont en quelque sorte des instruments du diable pour essayer de semer la zizanie au milieu du peuple de Dieu, de semer le trouble, de déranger l'œuvre de Dieu. Et donc, Jude dit que ces hommes, ce sont des rochers cachés, des écueils dans vos agapes. Je suppose que... Et donc, c'est cette image qu'il donne de ces hommes-là. Et je suppose que vous savez ce que c'est que sont des écueils. Vous savez, ce sont ces rochers qui se trouvent entre les eaux quand vous voguez sur la mer. Et puis, ce sont des choses vraiment très dangereuses. Hein. Vous savez, si vous ne connaissez pas la route ou le secteur sur la mer et vous prenez votre bateau et votre barque, et puis vous circulez comme ça sur la mer sans faire attention, vous pouvez vous faire déchirer le flanc du bateau parce que, brusquement, et puis ça peut être très dangereux, et puis vous pouvez vous couler. C'est ce qui est arrivé aussi au Titanic, par cet iceberg qui était là, sous les eaux, et puis ça lui a déchiré le flanc, et puis voilà, ben, c'était la catastrophe. Ce bateau qu'on disait insubmersible. Et il dit que ces apostats, c'est un petit peu comme cela qu'ils sont là, ces gens-là. Ce sont des rochers cachés sous les eaux,
Donc ce sont des dangers pour les navires qui voguent sur l'océan. Donc ils sont là pour déranger la communion de l'Église et ils entrent insidieusement, dit-il, dans l'intimité de l'Église et entravent cette communion dans la charité et le partage au milieu du peuple de Dieu. Et donc, Jude nous informe un petit peu concernant ces personnes. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, le croyant doit être averti de cela. C'est souvent que des gens se plaignent en se disant, mais ouais, on ne comprend pas, on est à l'église de Dieu, on est soi-disant au milieu des gens qui sont convertis, voilà, mais on ne comprend pas comment se fait-il. C'est là qu'il y a plus de problèmes, c'est là qu'il y a des choses qu'on ne doit pas retrouver, on ne comprend pas ces gens-là. Et puis voilà, on met tout le monde dans un grand sac et on dit, ah ouais, ces gens-là, ce sont des hypocrites, et patati et patata, voilà. Non, mais c'est parce que l'Église de Dieu ne sont pas des hypocrites. L'Église de Dieu est faite de gens qui sont transformés, lavés, purifiés, changés. Des gens qui ont reçu un cœur nouveau. Et si vous vous dites chrétien et que vous n'avez pas un cœur nouveau, vous n'êtes pas un enfant de Dieu. C'est d'abord la chose que Dieu commence par faire. Lorsqu'il prend un homme, de là où il est, dans ce monde, dans son péché, dans sa souillure, Dieu commence par le transformer avant de le transporter dans son royaume, avant de le transporter au milieu des enfants de Dieu. Et c'est ce qu'on appelle donc la nouvelle naissance. Il y a une régénération qui se produit dans la personne et c'est pourquoi d'ailleurs qu'il est dit, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Mais des fois, on ne comprend pas ce qui se passe. Au milieu du peuple de Dieu, on voit des choses qu'on ne devrait pas se trouver là. On entend des gens qui se disent croyants et qui font de ces choses qui nous mettent. On se met la main sur la tête parce qu'on ne comprend pas comment un croyant peut faire de telles choses. Mais souvenez-vous que Jésus même disait, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Il y a ce qu'on appelle des faux frères. Vous avez dans une ruche d'abeilles. Il y a les abeilles, mais il y a aussi ce qu'on appelle des guêpes, mais il y a aussi des faux bourdons. Des faux bourdons. Ils ressemblent, mais ce n'est pas cela. Et d'ailleurs, les abeilles les tuent. Hein? Il y a les ouvriers qui sont là, ceux qui sont là pour garder la ruche, et puis ils les tuent. Quand ils constatent qu'ils sont des faux, il ne faut pas le travail qu'il faut. Donc, vous savez, en tout, depuis que le péché est entré dans le monde, en tout, il y a de la contrefaçon. Il y a de la contrefaçon. Et donc, il faut être suffisamment alerte pour ne pas mépriser l'œuvre de Dieu, pour ne pas mépriser l'Église, comme on a déjà dit et qu'on ne va pas cesser de répéter. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu qui est un problème, mais c'est qu'au milieu de l'œuvre de Dieu, il y a aussi les instruments du diable qui sont glissés parmi le croyant, et qui fait toutes sortes de mauvaises œuvres parce qu'ils ne sont pas changés. Ils ont l'apparence, et c'est d'ailleurs ce que nous dit ici Jude, de faire attention à ces gens-là parce que ce sont des écueils dans vos agapes, dans vos communions, dans votre repas, dans votre assemblée, dans votre fraternité. Ce sont des dangers publics. Ils sont là, insidieusement, ils se faufilent parmi vous, se faisant passer pour des croyants, mais en fait, ce sont des faux jetons. Et ils sont dangereux. Ils sont dangereux. Pardon. Et il continue, il dit, ces gens-là sont dans vos agapes, dit Jude. Et ils sont là pour pouvoir semer la zizanie. Et nous voyons que ces agapes dont parle Jude ici, c'était fait à l'image d'acte 2, au verset 40-46, lorsque les croyants ont commencé à s'assembler, à se réunir, lorsque Dieu a commencé à ajouter à l'Église ceux qui étaient sauvés, il est dit que ces croyants se réunissaient tous les jours. Regardons ce passage pour nous rafraîchir la mémoire, dans le livre d'Actes, au chapitre
chapitre 2 et le verset, à partir du verset 46. Il est dit, on peut lire même plus haut. Verset 42, commence à partir du verset 42. Il dit que les croyants, dans leur agape, dans leur communion, ils persévéraient, dit-il, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Voyez-vous, la communion fraternelle, ce n'est pas un truc qu'on a inventé, et ce n'est pas un truc banal. Vous savez, malheureusement, c'est que beaucoup de croyants commencent à délaisser la communion fraternelle comme si c'était un truc qu'on a inventé, que les hommes ont inventé. Comme si, par exemple, il y a des croyants qui cherchent des fréquentations et qui auraient voulu que d'autres personnes viennent pour les fréquenter. Non, ce n'est pas ça, non. C'est une chose instituée par l'esprit. Il dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Et c'est dès lors qu'ils ont été saisis par l'esprit, dès lors que ces gens-là ont été touchés par l'esprit, dès lors que ces gens-là ont été changés, et dès lors que Dieu leur a donné un cœur nouveau. Ils persévéraient dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun d'eux et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Et il dit que tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Parce qu'ils aimaient être ensemble, ils aimaient entendre la parole du Seigneur, ils aimaient être dans la communion des croyants, être dans la communion de l'esprit, et entendre la parole, se nourrir de la parole du Seigneur, le lait spirituel, comme dit Paul. Ce lait spirituel, ils aimaient cela, ils aimaient être ensemble, partageant, manifestant l'amour fraternel. Et tout cela, c'était l'impulsion de l'esprit. L'impulsion de l'Esprit Saint. Ce n'était pas des choses qui montaient par les passions des hommes. Ce n'était pas une chose charnelle qui montait par les sentiments. Mais c'était la pulsion de l'Esprit Saint dans la vie des croyants qui permettait cela. Et donc, ces agapes dont parle ici Jude, c'est à l'image justement du premier siècle, de ces assemblées que faisaient les croyants au commencement. Et il dit que ces gens-là, déjà au temps de Paul, on voyait ces faux frères se glisser déjà dans la communion des croyants pour pouvoir semer le trouble. Et cette communion, cette unité qui était là au milieu des croyants commençait déjà à se déglinguer parce qu'il y avait toujours des faux jetons qui se glissaient pour pouvoir semer le trouble. Et on voit dans 1 Corinthiens le chapitre 11 et le verset 17, déjà là l'apôtre Paul commençait déjà à reprendre les croyants et à remettre les choses en place et à demander aux croyants de faire attention à cela. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 11, et l'apôtre Paul dit ceci, le verset 17, il dit, « En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. » Et donc, on voit déjà en ce temps-là, il y avait ça commençait déjà à partir en vrille. Et l'apôtre Paul essaie de redresser la barre pour que les croyants puissent pouvoir se redresser et remettre les choses. Même déjà, au temps des apôtres, on a vu arriver Ananias et Saphira, qui ont été jugés par le Seigneur, parce qu'ils commençaient déjà à semer le trouble. Vous voyez, le cœur de l'homme est ce qu'il est. Hein. Et Dieu les a jugés tout de suite. Pouvoir mettre les choses en place. Et puis, mais l'homme est ce qu'il est. Vous savez, nous ne sommes pas parfaits, nous sommes en train de marcher dans une sanctification progressive au fur et à mesure, on avance, on se développe, mais il y a toujours des petites infirmités à redresser, à guérir, à remettre en place. Et c'est constamment qu'il nous faut veiller
à ce genre de choses. Et donc, l'apôtre donne ces enseignements pour que nous puissions garder le cap, rester en place, dans la droiture. Et puis, Jude continue, il dit que ces apostats, ces faux frères, sont là au milieu de vous et ils font impudemment bonne chère au milieu de vous. C'est-à-dire qu'ils sont là, mais sans gêne, avec audace. Et ils participent donc dans l'intimité fraternelle des croyants, mais tout en cherchant leurs propres intérêts, un intérêt égoïste, et non les intérêts de l'Église, non l'intérêt commun de l'Église. Et tout cela, ce sont des comportements qui ne sont pas du tout des comportements chrétiens. Et Dieu dit de faire attention à ces gens-là. Chaque croyant doit chercher l'intérêt de l'Église, non pas ses propres intérêts, mais l'intérêt de tous. C'est pourquoi la Bible dit que le Saint-Esprit nous donne des dons, des talents, mais pourquoi? Pas pour nous-mêmes. Pas pour que nous puissions nous enfler avec parce que nous savons faire quelque chose, pas parce que nous avons un talent, nous avons un don quelconque, nous pouvons faire des choses avec, et puis pour qu'on puisse nous reconnaître comme étant quelqu'un, non, pas pour cela, mais pour l'intérêt de l'Église. Et il dit c'est pour l'édification commune du corps de Christ. Mais il y a des personnes qui ne cherchent pas ça, qui ne cherchent pas l'intérêt de l'Église, mais qui pensent qu'à eux, qu'à leurs propres intérêts, à ceux qui leur plaisent. Et je lui dis, ces gens-là, ce sont des nuées sans eau. Des nuées sans eau. En apparence, ils ressemblent à ce qu'ils prétendent être. Mais ils n'ont pas d'eau. Vous savez, tous les agriculteurs connaissent ça. Vous savez, en temps de carême, en temps de sécheresse, c'est tout si vous n'avez pas de source autour de votre jardin. Quand vous aspirez à ce que la pluie tombe, n'est-ce pas? Et quand vous voyez les nuages s'amonceler dans le ciel, vous êtes content parce qu'il va pleuvoir. Et puis finalement, le vent pousse les nuées, et puis ça passe, ça traverse, et puis voilà. Et vous êtes déçu parce qu'il n'y a pas eu de pluie. Il n'y a pas eu de pluie. Et donc, c'est un petit peu l'image qu'il donne de ces gens-là. Il dit, ce sont des nuées sans eau. C'est-à-dire, ils sont sans vie. Ils ont une apparence. Et ça existe. Ça existe aujourd'hui. Ça existe dans l'Église. Ça existe au milieu du peuple de Dieu. Vous voyez des personnes qui se disent croyants, qui se disent chrétiens, qui se disent convertis. Mais il n'en est rien du tout. Ce sont des nuées sans eau. C'est une apparence qu'ils ont. Vous voyez la nuée là, vous pensez que c'est une nuée. Mais c'est une fumée, hein. Il y a eu un boucan quelque part, la fumée est partie dans les airs, vous pensez que c'est une nuée, c'est pas de la nuée, c'est de la fumée. Des nuées sans vie. Et ça existe. Des personnes qui ont une apparence croyants, qui se disent convertis. Et nous avons souvent vu cela parmi nous. Tous ceux qui sont là depuis longtemps, au milieu du peuple de Dieu, nous connaissons ça. Les personnes qui viennent, ils sont là pour un temps, ils vous disent qu'ils sont convertis. Au début, on les voit chaud, ils sont là, toujours en réunion, toujours fidèles. Et puis après quelques temps, au fur et à mesure, ils s'évanouissent. Ils s'évanouissent. Parce que le péché ne peut pas résister dans l'assemblée des justes. Ils s'évanouissent parce qu'ils n'ont pas de vie en eux-mêmes. Ils n'ont pas de vie en eux-mêmes. Et comme dit Jude, il dit, ils sont poussés par le vent. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents. C'est-à-dire, donc, manipulés par toutes sortes de mauvais esprits. Des gens qui sont là au milieu du peuple de Dieu, mais manipulés par toutes sortes de mauvais esprits. Parce que le but, c'est quoi? C'est de déstabiliser l'Église. Parce que nous ne devons jamais oublier que nous avons un ennemi au milieu de nous. Nous avons un ennemi commun, le diable, qui est l'ennemi des croyants et qui est l'ennemi de l'œuvre de Dieu. Alors, ne soyez pas complexés en tant que croyants lorsque vous entendez dire « Ah ouais, un évangéliste a fait ceci, un évangéliste a été arrêté, un évangéliste est mis en examen parce qu'il a commis tel cas. »
Soyez fiers d'être enfants de Dieu, enfants de Dieu. Parce que la Bible dit, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. C'était des nuées sans eau. Ils ressemblaient, en apparence, à des vrais croyants, mais ce n'étaient pas des croyants. C'est facile d'avoir le langage de Canaan. Aujourd'hui, nous sommes arrivés aujourd'hui dans un siècle où il n'y a pas plus de gens chrétiens qu'on n'a jamais connus auparavant. Tout le monde est chrétien. Tout le monde est dans le Seigneur. Et quand vous commencez à parler à quelqu'un de Jésus, « Ah, je connais Jésus !» Ah, la personne vous cite des versets, la personne vous parle de Dieu. Mais quand vous regardez la vie de la personne, quand vous regardez les œuvres de la personne par rapport à ce que la personne, vous ne comprenez pas. C'est un décalage. Il y a un problème. Cette même personne qui chante Jésus, qui parle de Jésus, qui loue Jésus. Mais vous sentez qu'il y a des choses qui ne collent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de vie en eux-mêmes. C'est une apparence. C'est des nuées. Quand vous regardez, vous voyez des nuées là. Mais il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'eau dans ces nuées là. Il n'y a pas de vie. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit. Ils ont des esprits. Mais pas l'Esprit Saint. Parce que c'est ce que dit Jude ici. Il dit, poussé par les vents. Donc manipulé par toutes sortes de mauvais esprits. Pour accomplir leur but, pour accomplir leur fonction, pour accomplir leur tâche. Parce que Satan les utilise pour accomplir ses desseins. Mais Dieu dit, comme a dit Jésus, laissez-les. Laissez-les. Ce n'est pas à vous de faire le tri. Ce n'est pas à nous de faire le tri. Laissez-les. Ils vont s'évanouir tout seuls. Et puis s'ils sont là toujours, les anges, à la fin des temps, ce sont les anges qui viendront faire le tri. Les anges du Seigneur eux-mêmes feront le tri. Parce que Dieu ne se trompe pas. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Dieu sait exactement ce qui lui appartient. Dieu ne se trompe pas. Parce que l'Église véritable est parfaite. L'Église véritable est debout. L'Église véritable est vraie. Et il y a seul Dieu qui connaît l'Église véritable. Cette Église universelle de tous les croyants nés de nouveau, changés, ayant reçu un cœur nouveau par le Saint-Esprit qui habite dans leur vie. Un royaume de sacrificateurs que Jésus-Christ a racheté par son sang pour Dieu le Père. Ça, Dieu le connaît. Mais il y a tous ces contrefaçons qui sont là pour se faire passer pour des croyants, mais qui ne le sont pas, mais qui sont là pour un but. Pour essayer de ternir l'image de l'Église, salir l'image de l'Église. Et c'est pour ça aujourd'hui, lorsque vous allez apporter l'évangile, lorsque vous allez annoncer l'évangile à quelqu'un, aux gens, ils vous disent, ah ouais, c'est évangéliste là, moi connais évangéliste qui a fait ceci, moi connais un évangéliste qui a fait cela, moi connais un monde qui est dans le Seigneur qui a fait ceci, ah moi connais un monde qui a été bon comme moi, moi voisin qui a fait ceci, moi ils vous parlent des faux jetons, de ces apostats, de ces gens qui nomment dans leur bouche, qui ont le nom de Jésus dans la bouche, dans leur bouche, pardon. Mais qui n'ont pas Dieu dans leur cœur, qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui n'ont jamais été régénérés, transformés, des gens que Dieu ne connaisse pas. Quand il était dit par le Seigneur Jésus lui-même, au dernier jour, beaucoup viendront et diront, Seigneur, nous avons fait des miracles en ton nom. Seigneur, nous avons chassé des démons en ton nom. Seigneur, nous avons fait tellement de choses extraordinaires en ton nom. Mais Jésus dit, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Ils sont là pour provoquer des cassures dans les agapes, dans la communion, dans la cohésion de l'Église du Seigneur. L'Église doit être une famille aimante. L'Église doit être soudée.
L'Église de Dieu doit être unie. Et ça, c'est l'œuvre de l'Esprit. Ce n'est pas une chose que vous faites, que vous savez faire, vous et moi, non? C'est une chose, c'est l'œuvre de l'Esprit en nous. C'est pourquoi lorsqu'un croyant commence à s'éloigner du Seigneur, lorsque nous commençons à devenir négligents, lorsque nous commençons à devenir une manière feignante, nous ne voulons pas nous exercer à la piété, eh bien, c'est tout qui déglingole autour de nous. Hein? C'est tout autour de nous, c'est tout ce qui est en nous qui déglingole. C'est-à-dire qu'on commence à ne pas avoir l'amour pour son frère, pour sa soeur, on commence à ne pas supporter personne, on commence à devenir une manière. On est foi, on est une manière, on change de comportement, on ne nous comprend pas. On ne supporte personne, on est une manière. On trouve des faux dans tout le monde. Rien ne va. Pourquoi? Parce qu'on s'éloigne du Seigneur. Quand vous éloignez de Dieu, automatiquement, c'est ce que vous allez trouver en vous. C'est Dieu qui est le ciment, c'est lui qui nous colle ensemble. C'est le Saint-Esprit qui nous rassemble. Plus que vous devenez spirituel, plus que vous allez aimer aussi vos frères et sœurs, parce que le commandement de Dieu, personne ne peut faire cela. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de ta pensée et ton prochain comme toi-même. Ça, c'est au-dessus de la portée des hommes pécheurs. Il n'y a que le Saint-Esprit, nous ayant changé, transformé, qui nous donne cette capacité d'aimer notre prochain, qui nous donne cette capacité d'aimer notre frère, d'aimer notre sœur. C'est l'Esprit Saint qui nous permet de faire cela. Si vous n'avez pas aimé vos frères et sœurs, vous avez un problème avec Dieu. C'est que vous avez un problème avec Dieu. Dans votre relation avec Dieu. Ah, certainement. Ce n'est pas la peine de discuter. Vous avez un problème dans votre relation avec Dieu. Si tu n'arrives pas à aimer ton frère, si tu n'arrives pas à aimer ta soeur. Si tu n'as pas supporté Madame Tala, ou pas supporté Monsieur Tala, on a un problème. Parce que c'est Dieu, plus on s'approche de Dieu. Voyez-vous, c'est l'image de Moïse qui était sur la montagne lorsqu'il est entré à la rencontre du Seigneur. Son visage est devenu illuminé. Ça brillait. Plus on s'approche de Dieu, eh bien, on est transformé, on est transcendé, on change. Et on devient comme Dieu lui-même, on change à l'image de Dieu. Et les sentiments charnels disparaissent, s'évanouissent pour laisser la place aux vertus de l'Esprit. Et tout seul, vous n'avez pas besoin de faire d'efforts. Parce qu'en effet, la vie chrétienne, c'est une grâce de Dieu, c'est l'Esprit. Donc ce n'est pas la chair qui fait un effort, qui doit faire un effort pour pouvoir arriver à faire des choses. Non, ce n'est pas ça la vie chrétienne. Ce n'est pas ça l'Évangile. C'est Dieu qui nous prend, qui nous transforme et qui implante sa vie en nous. Et nous sommes changés de gloire en gloire, dit l'apôtre Paul, à l'image de notre Seigneur. Tant que nous demeurons, au fur et à mesure que nous demeurons dans sa présence, nous sommes transformés, nous sommes changés. Et c'est automatique. Automatique, nous-mêmes, nous ne nous reconnaissons nous-mêmes plus. Quand on voit, quand on rencontre un croyant, quand on rencontre un frère, un croyant, un chrétien, eh bien, il y a quelque chose, on sent quelque chose qui se dégage de nous et puis qui aime le frère, qui aime la sœur. C'est pour ça que je n'arrive pas à comprendre comment des chrétiens qui pas supporter l'autre là, qui pas emmerdent tel. Moi, je n'arrive pas à comprendre ça. C'est vrai, je n'arrive pas à comprendre ça. Parce que c'est l'Esprit Saint qui fait ce travail-là en nous. Ce n'est pas nous-mêmes qui faisons un effort pour faire ça. Hein? Donc, c'est que tu es un petit peu trop loin de Dieu. Tu vois? Donc, l'Église, c'est une cohésion. C'est une famille aimante. Et c'est pourquoi nous avons vu, dès le moment où Jésus a envoyé l'Esprit, le Consolateur, qui a envahi les apôtres, qui a été distribué sur les croyants, les âmes ont été sauvées, Dieu a commencé à ajouter des gens à l'église, et puis tout naturellement, des gens qui ne se supportaient pas auparavant, des gens qui ne se connaissaient même pas auparavant, eh bien ils étaient tous ensemble, tous les jours ils demeuraient ensemble, tous les jours ils étaient assidus, parce qu'on aimait être avec la sœur, on aimait être avec le frère, on aimait être ensemble, la famille. On était content d'être ensemble, méditant la parole du Seigneur, écoutant l'enseignement du Seigneur, louant le Seigneur, priant le Seigneur. Une dynamique se dégageait
de cet évangile. C'est ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas une chose qu'on invente. C'est ça l'Église. C'est ça l'Église. Ce ne sont pas des techniques qu'on apprend pour pouvoir faire des choses. L'Église n'est pas ça, ce n'est pas technique humaine qu'on essaie de mettre en place, des principes humains qu'on essaie de mettre en place pour pouvoir faire. Non, ce n'est pas ça. C'est une autre dimension. C'est une dimension spirituelle. C'est une autre dimension. Ça vient du ciel. Et puis au verset 14, pardon, au verset 14, Jude cite une prophétie alors qu'aurait annoncé Enoch. Et il parle d'Enoch le septième. Verset 14, il dit, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes et dit, voici le Seigneur est venu avec des saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proféré contre lui ces des pécheurs impies. Alors, on trouve Enoch. Donc, quand il parle d'Enoch que nous connaissons. C'est Enoch qui a été enlevé par le Seigneur. Et il dit le septième parce que si on compte depuis Adam, Enoch arrive le septième. Il est septième. Il y a eu Enoch, il y a eu Seth, il y a eu Enoch, il y a eu différentes personnes. On trouve ça dans jusqu'à arriver à Enoch. Dans Genèse 5, le verset 4 à 20. Hein? Bon, on va essayer d'avancer. C'est peut-être pas la peine de lire. Mais c'est pas un truc très mathématique quand il parle d'Enoch, le septième. C'est simplement, depuis Adam, il arrive en septième position, lui, Enoch. Tout simplement. Alors, il cite une prophétie qu'aurait dit Enoch. Alors, bon, le problème avec ça, c'est que on ne trouve nulle part cette prophétie-là dans l'Ancien Testament. Hein? Certains commentateurs pensent que Jude serait en train de citer le livre apocryphe d'Enoch. Parce que vous savez, il y a aussi des livres apocryphes, comme Suzanne, comme Maccabée. Enfin, on vous a déjà parlé à plusieurs reprises, hein, ces différents livres apocryphes. Ce sont des livres qui ne sont pas reconnus dans le canon biblique, des livres qui ne sont pas reconnus comme des livres inspirés. Donc, il semblerait que Jude cite ce livre d'Enoch, bon, qui n'est pas un livre reconnu, je dis, par le canon biblique. Parce que ce livre-là, si vous lisez ce livre-là, c'est un livre très contradictoire par rapport à l'enseignement général des Écritures. Donc, si Jude cite cette prophétie, c'est que certainement, Jude reconnaît l'authenticité de cette prophétie. Et peut-être une chose qu'effectivement, qui est vraie, que qu'Enoch a effectivement prophétisé. Mais par contre, la chose qu'il faut faire attention, c'est que cela ne veut nullement dire que Jude reconnaît ce livre apocryphe d'Enoch comme étant un livre inspiré. C'est pas parce qu'il a cité un livre, il a cité une prophétie qui se trouve aussi dans un livre apocryphe, que cela veut dire que le livre d'Enoch est un livre inspiré, est un livre authentique, pas vrai. Nous avons aussi dans les Écritures d'autres apôtres qui ont fait cela, qui ont cité des auteurs, des poètes païens, notamment Paul. Si vous lisez dans Tite, le chapitre 1er, au verset 12, il y a Paul qui va citer un poète crétois. Il dit crétois, bête méchante, vente paresseuse. Voilà. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit crétois, toujours menteur, méchante, bête, ventre paresseux. Donc ça, c'était un poète non chrétien qui avait cité cela. Et Paul, l'apôtre Paul cite ce poète-là, mais ça ne veut pas dire que le livre de ce poète-là était inspiré. Il a cité comme cela. Donc ça, ce n'est pas un problème, le fait que Jude ait dit cela. Certainement, il reconnaît cette prophétie-là comme étant authentique. Bon, si celui qui a écrit le livre d'Enoch l'a aussi intégré dans son livre, ça ne veut nullement dire que les livres apocryphes sont inspirés. Donc, mettons cela dans la tête, comprenons cela. Alors, au verset 16 de ce chapitre de Jude, Jude décrit ses apostats de quatre manières. Il dit, ce sont des gens
qui murmurent, qui se plaignent de leur sort. Voyez-vous des gens qui murmurent? Ces faux croyants, ces apostats. Ce sont des gens qui ne sont jamais satisfaits de rien. Jamais satisfaits. Toujours mécontents. Tout ce qu'on fait dans l'église, par goût à eux. Tout ce qu'on essaie de faire, c'est pas dans leur goût. Rien n'est jamais bien fait. Rien n'est jamais bon. Toujours en train de murmurer. Tout ce qu'on essaie de faire pour faire avancer l'œuvre de Dieu, c'est pas à leur goût. On a mal fait. On n'a jamais bien fait. Ils sont des gens qui murmurent tout le temps. Ils ne sont jamais contents de leur sort. Déjà, nous savons que le murmure ou les murmures, ce sont des choses que Dieu n'apprécie pas. Nous savons comment Dieu a traité Israël, les enfants d'Israël, à cause des murmures. Donc, ce n'est pas une chose qui vient du ciel. Ce n'est pas une chose qui vient de l'esprit. Lorsqu'on est toujours en train de murmurer, toujours en train de murmurer. Alors, c'est un enseignement qu'on donne aussi Jude, hein, à nos croyants. De faire attention à cela, lorsqu'on est toujours en train de murmurer. Le croyant doit comprendre une chose, c'est que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes dans les mains du Seigneur. Dieu connaît nos voies. Dieu connaît chacun de ses enfants. Le psalmiste dit qu'il connaissait les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Dieu connaît tout de nous. Il connaît notre parcours. Et c'est pourquoi d'ailleurs, l'apôtre Paul nous dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Et il savait aussi se réjouir dans l'affliction. Parce que si ça m'arrive, je suis une manière, ça ne va pas, je ne suis pas content. Peut-être moi-même, ce n'est pas ce que j'aurais souhaité. Mais Dieu sait. Dieu le voit. S'il me laisse dedans, parce qu'il y a une bonne raison qu'il me laisse dedans. Évidemment, je suis cher. Ça fait mal. Ça fait mal, c'est vrai, ça fait mal. J'ai le droit de pleurer, j'ai le droit de crier. Mais je n'ai pas le droit de murmurer, de dire des bêtises. Parce que je sais que mon maître, mon père, voit. Et il sait aussi. Il connaît toutes choses. Et Jésus n'a-t-il pas dit que « Voici, je vous envoie le Consolateur, il sera avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » L'Esprit est là, il le voit. Mais il nous dit « Vas-y, mon enfant, tiens bon, marche, marche, tiens bon, relève-toi, vas-y. » Et lorsque c'est trop dur pour nous, nous devrions crier au Père. Levez les yeux vers le ciel. Jésus a été dans le désert, lui-même, le Christ, le Fils de Dieu, celui qui est de toute affection, dans toute l'affection du Père. Lorsqu'il était dans le désert pendant ses 40 nuits, 40 jours, il était vraiment là, la Bible nous dit, parmi les bêtes sauvages. Sa situation était difficile là, c'était un combat qu'il a mené, un grand combat qu'il a mené là, hein, parce que lui-même parle après, ça il dit qu'il faut d'abord lier l'homme fort. Il a mené un grand combat contre toutes les forces du mal là. C'était compliqué pour lui. Et la Bible nous dit qu'après cela, après ce combat, Dieu a envoyé des anges pour le consoler, pour pouvoir l'apaiser, pour pouvoir le fortifier. Le Seigneur prend soin de ses enfants. Il sait que nous menons un combat. Il connaît nos combats. Et il est avec nous aussi. L'Esprit est là avec nous, il nous regarde. Quand vous avez un petit enfant, n'est-ce pas, hein? Tous les mères connaissent ça, les pères aussi d'ailleurs. Hein? Il commence à marcher, il commence à se mettre debout. Et puis vous le laissez. L'enfant veut que vous. Il veut vous tenir. Vous reculez. Il veut vous tenir. Non, vous dites non, viens, viens. Parce qu'il faut qu'il marche. Il faut qu'il prenne de l'assurance. C'est compliqué pour lui. Il sent qu'il va tomber. Il commence à vouloir pleurer. Mais non, il faut, viens. C'est bon pour lui. Afin qu'il se rassure et qu'il puisse fortifier ses muscles. Et c'est pareil. Dieu nous traite comme des fils et des filles, comme des enfants. Il travaille avec nous. Il nous voit dans la difficulté, mais il a mis pour nous là. Dieu a préparé des œuvres pour nous, bien en amont. Hein. Le Seigneur connaît ses enfants. Et donc, on doit lui faire confiance. Et apprendre à ne pas murmurer. Ça arrive facile, parce que nous sommes encore dans la chair.
Il ne faut pas non plus escamoter cela. Hein? On n'est pas, on ne faut pas croire qu'on dit. Non, nous nous connaissons, nous sommes tous chers. Nous connaissons, nous avons nos faiblesses. Mais le Seigneur qui est là avec nous, il nous a promis qu'il va prendre soin de nous. Ça va arriver des fois, malgré tout, qu'on va commencer à murmurer, qu'on va essayer de murmurer. Mais tout de suite, il faut taire cela. Il faut taire cela et prier le Seigneur, demander la force et comprendre pourquoi. Mais ne pas demeurer dans des murmures comme cela. Ne pas pratiquer, être des gens qui pratiquent le murmure tout le temps. Et c'est le propre de ces apostats. Toujours en train de murmurer. Jamais satisfait de rien. Toujours mécontent. Des gens qui se plaignent, dit la parole. Qui se plaignent, dit Jude. Rien n'est à leur goût. Ils trouvent des fautes chez tout le monde. Mais eux, ils ont toujours raison. C'est eux qui savent toutes choses. On aurait dû faire comme ils veulent. Tout ce que les autres font, ce n'est pas bon. Ils sont des sachants. Et les autres ne savent rien du tout. Tous les autres, ce sont des imbéciles. C'est eux seulement qui savent faire les choses. C'est le peuple de ces gens-là. Les gens qui marchent, dit la parole, dit Jude, ils marchent selon leur convoitise. Donnez-leur ce qu'ils aiment. Hein? Et ils ont leurs idoles dans leur cœur, c'est ça qu'ils aiment. Ce n'est pas l'œuvre de Dieu qu'ils aiment. Ils ne se soucient pas de l'œuvre de Dieu. Oui, c'est pourquoi il y a des gens qui font n'importe quoi. Ils sont prêts à faire n'importe quoi. La personne n'est pas mêlée avec ce que la Bible dit. La personne n'est pas mêlée avec le témoignage de l'Église. La personne n'est pas embarrassée avec l'Évangile. La personne fait n'importe quoi. Et dit n'importe quoi. Ça ne le gêne pas, la personne n'est pas mal à l'aise. Pourquoi? Parce que cette personne n'est pas embarrassée avec l'œuvre de Dieu. Histoire de l'œuvre de Dieu, de ce qu'on va dire de l'Évangile, de ce que ça va salir l'Évangile, ça va salir l'image de l'Évangile. Ce n'est pas son problème. Il est là dans un truc. Il fonctionne. Quand ça va bien, il est là. Quand ça va mal, il n'est pas mal avec ça non plus. Il est prêt à écraser ça aussi. S'il faut écraser ça, il écrase ça aussi. L'enfant de Dieu, celui qui a l'esprit du Seigneur, il est soucieux de voir avancer le travail de son maître, l'œuvre de son maître. Voyez-vous? On est soucieux de ce que nos ennemis peuvent dire de l'œuvre de notre maître, de la maison de notre maître. Vous vous rappelez souvent Moïse, c'est souvent Moïse donner ses arguments à Dieu. Pour essayer de faire fléchir Dieu, toutes les fois où Dieu était irrité contre Israël, il disait à Dieu, mais Seigneur, tu ne peux pas faire cela, parce que nos ennemis vont dire, tes ennemis vont dire, ah ouais, c'est parce que tu n'avais pas la force de conduire Israël jusque là où tu as promis, c'est pourquoi tu les as tués dans le désert, donc ne fais pas cela. Souvent, donc on voit que c'était un homme qui se souciait de l'œuvre de Dieu, de l'image de l'œuvre de Dieu. Et un véritable croyant, c'est quelqu'un qui se soucie aussi de l'avancement de l'œuvre de Dieu, de la maison de Dieu, des choses de Dieu, des croyants aussi. Et on comprend ce que cela veut dire, le corps de Christ et les membres du corps de Christ, les pierres vivantes de l'édifice. Chacun de nous, chaque pierre a besoin de l'autre pierre à côté, n'est-ce pas? Toi, la seule brique, élève-toi tout seul. Sois une maison, sois le bâtiment tout seul. Non, il y a plusieurs briques. Il y a des briques, il y a des poteaux, il y a des poutres. Voyez-vous? C'est le corps, c'est un ensemble. Tu es moi, je suis toi en Christ. D'ailleurs, c'est ce que Jésus a dit, n'est-ce pas? Père, je te prie, afin que toi en moi, moi en eux, que nous soyons un, n'est-ce pas? Si on oublie, regardez, et Jean 17, je veux que nous soyons un, toi en moi, moi en toi en eux, et afin qu'on soit un. Christ la tête, l'Église le corps de Christ. Un royaume de sacrificateurs. Comprenez-vous cela?
Et ça, on doit se soucier de cela. Et ne pas désirer la perte de l'Église, ne pas désirer la divagation de l'Église, ne pas désirer, non. On va faire attention. Parce que c'est quelque chose que l'Esprit a mis en nous. Mais pour entraîner les disciples après eux, et c'est là encore aujourd'hui, on voit cela, dans 1 Timothée 4, verset 1. Il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Dit l'apôtre à Timothée, dans 2 Timothée 3, 1 à 5 aussi. Ce sont ces paroles que dit Jude aux croyants, aux bien-aimés de se souvenir. Il dit, sache que dans les derniers temps, jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien. Traite emportée, enflée d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Un croyant ayant l'esprit aime les choses de Dieu. Aime là où on parle de Dieu. Là où on glorifie le Seigneur. Aime là où on cause de Dieu, où on cause des choses de Dieu. C'est un test que vous devez faire. Hein. Si chaque fois que quelqu'un essaie de parler du Seigneur, vous êtes une manière « oui ». Vous disparaissez, vous avez un problème. Chaque fois qu'on parle de football, vous êtes là. Chaque fois qu'on parle de, je sais pas moi, de jeu, on parle de, je sais pas, politique, vous êtes là, vous êtes parlant, vous êtes là, vous discutez, vous donnez la voix, vous êtes bien. Quand on prend un verset, on dit, ouais, vous savez, la Bible dit ça, mais vous savez, il y a telle situation qui s'est passée, mais la parole a dit, vous savez, ça c'est, vous savez, la Bible dit, parce que le Seigneur avait dit ça, et hop, vous n'avez plus la parole, vous ne parlez plus. Vous ne parlez plus. Et puis, vous allez voir ailleurs. Vous avez un problème. Vous voyez votre copie, vous avez un problème. Voyez-vous? Un croyant doit aimer les choses de Dieu. Ce ne sont pas des gens qui ont l'apparence de la piété, ce sont des gens qui ont une piété, qui sont pieux et qui aiment les choses de Dieu et qui aiment les gens de bien. Lorsqu'on voit des croyants spirituels, des croyants qui aiment le Seigneur, on les aime aussi, on les aime. Un véritable croyant aime un autre croyant qui aime le Seigneur. Quand on voit un croyant qui progresse, qui aime le Seigneur, qui est tout avec, ça nous fait du bien, n'est-ce pas? Ça nous fait du bien. Ça vous fait du bien. Je suppose que c'est la même chose pour tout le monde, pour tous les croyants, parce qu'on a le même esprit, hein? Le même moteur qui fait le croyant fonctionner, c'est le même qu'on a. Quand un croyant, quand on rencontre un croyant, quelqu'un qui dit, je suis le Seigneur, je suis converti, je suis né de nouveau, et quand vous le voyez, vous percevez l'esprit, parce que l'homme spirituel sent aussi l'homme spirituel, hein? On regarde, et puis la personne nous dit cela, on comprend, et puis on voit, c'est un croyant, et puis on est bien. On aurait dit, ça fait longtemps qu'on se connaît. Ça, ce sont des sensations de l'Esprit Saint, de véritable croyance. Il y a des choses. La vie chrétienne, ce n'est pas une chose, c'est pas moi, qui est suspendue dans le firmament, qui n'est pas un truc qu'on a inventé. C'est un truc réel. Réel, hein? On aime les gens de bien. On aime les croyants qui sont spirituels. Vous savez, il y a des croyants qui n'aiment pas les croyants spirituels. Enfin, quand je dis des croyants qui n'aiment pas les croyants, je ne sais pas s'ils sont croyants. C'est eux seuls qui savent s'ils sont croyants. Mais il y a des gens qui sont croyants, il y a des gens qui n'aiment pas les gens trop spirituels.
Quand vous êtes quelqu'un qui aime le Seigneur et qui marche avec le Seigneur, qui passe pas un moment sans louer le Seigneur, sans lire une portion de la parole, sans parler, une personne qui parle correctement, qui n'a pas d'outrage dans sa bouche, vous parlez droit, vous n'appréciez pas ceux qui ont toujours des outrages sous leur langue. Quand vous êtes quelqu'un comme ça, eh bien, on ne vous invite pas trop. On n'aime pas trop quand vous êtes là. Dans le cercle, parce que vous gênez. Vous savez, il faut attention à cela. Ce sont des signes, ce sont des choses, des signes. C'est parmi tout ce que Paul, tout ce que dit ici Jude. C'est-à-dire que on a d'autres idoles. Notre amour propre, ce n'est pas l'amour du Seigneur. Les choses qu'on aime, ce n'est pas les choses du Seigneur. C'est-à-dire que, il y a une nature, on manque une nature véritable en nous. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis au chapitre 4 de Timothée aussi, chapitre 4 de Timothée, et le verset 3, nous allons donc devoir nous arrêter aussi. Il dit car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Voyez-vous, ce sont des choses que nous voyons aujourd'hui, ce sont des choses qui sont d'actualité toujours. Hein. Déjà au temps de Jude, mais aujourd'hui, encore en puissance. Ouvrez vos yeux. C'est encore en puissance d'actualité, ce genre de choses. Il y a des assemblées de Dieu partout. Tout le monde est prophète, tout le monde est apôtre. Et puis les chrétiens qui ne se focalisent pas sur la saine doctrine. Voyez-vous, Jude l'a dit dès le départ, il a dit de rester dans les choses que vous avez appris et que vous avez reconnu certaines. L'apôtre Paul dit cela à Timothée aussi, mais Jude lui-même aussi en parle au début du passage. Il dit, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. La foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Cette doctrine qu'a enseigné les apôtres. On doit rester dessus. Et ça ne peut pas se changer. Ça ne peut pas évoluer. Il ne peut pas avoir d'autres choses avec le temps. Et on voit les croyants aujourd'hui courir après toutes sortes de choses aujourd'hui. Parce qu'on aime, l'ambiance, on aime toutes sortes de choses. On se donne des docteurs selon son cœur. Parce qu'on veut entendre des choses agréables. Alors on veut aller à un endroit où il y a ambiance, pour sentir on est ambiance, et puis c'est ambiance, et puis voilà. Mais on n'est pas soucieux de ce que dit la parole, de ce que Dieu dit. Est-ce qu'on est sûr de la trajectoire des apôtres? Est-ce qu'on est sûr de la trajectoire de la saine doctrine? Est-ce que c'est ce qui est dit? Est-ce que c'est ce qui est fait? Non, on est dans un mouvement, voyez-vous. Dès qu'il y a mouvement, dès qu'on est gai, c'est ce qu'on cherche à être. On cherche à être gai, toujours gai. Et donc on est là, c'est bon. C'est là que le Seigneur est. Faites attention à cela. Cher bien-aimé, faites attention à cela. Il y a un mouvement aujourd'hui. Un mouvement de contrefaçon aujourd'hui. Il y a toutes sortes d'églises. Il y a des églises comme des types maintenant. Et puis ils ont ambiance. Hein, parce que naturellement, il faut donner au peuple, ce que le peuple aime. Il faut aller selon les convoitises des gens. Donc, il faut donner aux gens ce qu'ils aiment. Donc, on cherche la manière, on cherche la psychologie des gens. Il faut aller dans leur sens. Les gens aiment manière, frisson, donc il faut leur donner cela. Des choses mystiques. Ça, on aime ça, des choses mystiques. Et puis, on est dans ça. Faire attention à cela.
Même cette affaire de musique. Il faut faire attention à cette affaire de musique aussi. Peut-être cette affaire de musique aussi. On voit le chrétien dans toutes sortes de musiques, dans toutes sortes d'ambiances. Et puis, on a l'impression que c'est que ce qui existe, des gens de hit parade. Et les chrétiens sont rentrés dans ça aussi, hit parade chrétien, le club débranché, de toutes sortes de machins. Et puis, il y a toutes sortes de modèles de musique. Il y a des musiques vraiment. Des fois, quand un croyant se rapproche de votre véhicule, vous fermez la radio vitement. Vous fermez la radio rapidement parce que la personne va dire, mais qui ça me s'est écouté là? Et puis, mais la question qu'il faut se poser, cher bien-aimé, c'est demander qu'est-ce que Dieu pense de ça. Ce n'est pas le fait qu'il y a Jésus dedans, ce n'est pas le fait qu'on nomme Jésus, qu'on parle de Jésus, qu'on parle de Alléluia, qu'on parle de glorifier le Seigneur, qu'on cite le verset de Romains dedans. Ce n'est pas ça, non, le problème. Ce n'est pas ça, non, la vérité. Ce n'est pas ça, la vérité. Qu'est-ce qu'on cherche à travers tout cela? Qu'est-ce qu'on sait? Est-ce qu'on cherche la gloire de Dieu dans tout cela? Ou est-ce qu'on cherche à rendre contents les hommes? Est-ce qu'on cherche à faire plaisir les hommes? Est-ce qu'on cherche à satisfaire les émotions charnelles des hommes? Ou est-ce que réellement c'est la gloire de Dieu qu'on cherche? C'est la grande question qu'on doit se poser. Ce sont des choses sérieuses. Peut-être on peut ne pas aimer ce que je suis en train de dire là, mais c'est mon devoir de le dire. Pour ne pas vous laisser vous dégrader, vous laisser vous perdre. Vous perdre tout en pensant que vous êtes dans la vérité. Qu'est-ce que Dieu pense dans tout ça? Quand vous écoutez ça, arrêtez un moment et puis dites qu'est-ce que Dieu pense de ça? Est-ce que... Laissez l'esprit vous pénétrer et vous dire quelque chose sur ça. N'allez pas dans le sens des hommes. Parce que souvent, c'est ça, le diable, c'est ça. Il vous met dans un truc et vous n'avez pas le temps de réfléchir. Un chrétien, c'est quelqu'un qui réfléchit. Un chrétien, c'est quelqu'un qui réfléchit. Et qui examine les choses. C'est quelqu'un qui examine les choses, un chrétien. Ce n'est pas quelqu'un qui rentre dans un truc et puis, comme ça, comme tout le monde est dedans, on est dedans aussi. Tout le monde est dedans, on est dedans aussi. Parce que tout le monde le fait. Comme tout le monde le fait, on le fait aussi. Ce n'est pas ça, non? On est là pour plaire à Dieu. On est là pour marcher dans la sanctification. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Quand vous voyez des choses se faire, demandez, posez-vous la question avec l'aide de l'Esprit. Qu'est-ce que Dieu pense de ça? Est-ce que c'est biblique? Est-ce que ça rentre dans le cadre biblique? Que Dieu nous donne grâce pour que nous puissions comprendre ces choses. Parce que, voyez-vous, Judas a voulu parler de ce salut commun des croyants. Il a voulu se réjouir avec les croyants de ce salut commun. Et puis finalement, il a vu le danger et puis il s'est arrêté. Et puis il a commencé à parler aux chrétiens de tous ces dangers qui se glissent insidieusement dans l'Église. Et c'est pourquoi il a été obligé de parler de tout cela, de tout ce qu'il parle aujourd'hui dans cette lettre. De chute. Parce que c'est important et c'est sérieux. Que Dieu nous bénisse. Amen. Voilà, nous allons donc prier le Seigneur pour terminer. Donc, notre prochain rendez-vous en présentiel, donc, vendredi, même heure, 6h30. Ah non, effectivement. Autant pour moi. Donc, vendredi, nous n'avons pas de réunion, effectivement. Donc, notez cela, vendredi n'avait pas de réunion. Voilà. Je retire ce que j'ai dit. Tout à fait. Voilà. Donc, prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce, nous te remercions, Père, parce que tu ne nous as pas laissés seuls, tu nous as laissé ta parole, ton enseignement. Et c'est toi-même Jésus qui a dit aux apôtres, allez, prêche la parole et enseigne-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et merci aussi pour l'Esprit qui est là, aussi pour nous rappeler les choses. Donne-nous ta grâce et garde-nous, Père, afin que nous ne puissions pas nous égarer, mais que nous puissions toujours rester avec les yeux fixés sur notre Maître, notre Guide, notre Seigneur,
et fidèle à la saine doctrine et ne pas nous laisser embobiner et séduire par toutes les belles choses de l'ennemi. Maintenant, Père, il nous a été agréable de pouvoir être ici ce soir afin de pouvoir ensemble méditer la parole. Renvoie-nous maintenant avec ta bénédiction que tes anges puissent nous conduire. Voici, nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés, et bonne soirée à tous.